Alors, archéologie, pourquoi j'ai choisi de garder son titre? C'est parce que l'archéologie, parce qu'on d'habitude on pense que c'est une simple généalogie, qu'on passe du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une transparence à ce que c'était le Moyen Âge. Alors qu'en fait, il faut justement aller fouiller un peu plus profondément pour trouver cette pornographie, c'est-à-dire cette histoire des sexualités et des pratiques sexuelles, qui était beaucoup plus évidente au XIXe siècle parce que c'était la médecine qui s'y intéressait. Et on peut poser la question, c'est la question que je me suis posée, pourquoi aujourd'hui, quand on pense au Moyen Âge, quand on pense à l'amour ou éventuellement à la sexualité, on pense toujours à l'amour courtois. On ne parle jamais d'un Moyen Âge charnel, d'un Moyen Âge sexuel, érotique, mais d'un Moyen Âge amoureux, courtois, galant. Voilà, ça c'était la question de base. D'où vient cette séparation, alors que cette séparation n'était pas là forcément au XIXe siècle. Parce que la médecine du XIXe siècle, qui veut et qui participe très activement à la constitution de la nation française, la nouvelle nation française, elle s'intéresse à sa propre histoire et elle veut prendre les leçons de cette histoire pour constituer une meilleure nation française, une race aussi pure, aussi capable, aussi saine que possible. Donc, quelles leçons de l'histoire peut-on tirer d'un Moyen-Âge qui a vu la dégénérescence de ces classes aristocratiques qui, dans cette histoire très simplifiée, auraient été remplacées par le peuple, n'est-ce pas? On passe de l'aristocratie au peuple. Voilà, donc ça c'est l'objectif de voir comment la médecine a activement participé à cette constitution de la nation et de la race française en utilisant le Moyen Âge qui donne des leçons par exemple pour la consanguinité, pour l'hérédité. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur plusieurs générations, surtout de la monarchie donc, et, ou de la noblesse, pour voir justement pourquoi une race dans le sens de la lignée, disparaît. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, de ceci pour éviter que ça arrive aujourd'hui. Donc on passe évidemment à une forme de biopolitique hein, de la nation et on va se servir de ces leçons, comme aussi d'ailleurs des leçons des contacts entre les races. Parce que la question de la race, ce n'est pas une question de lignée uniquement, c'est aussi une question de contact entre les races avec les autres races, qui est très très actuelle pour la France au moment de la colonisation, qui a commencé en 1830. Et donc c'est à ce moment-là que les médecins s'engagent très activement dans une politique de médecine coloniale. Et cette médecine coloniale va aussi s'intéresser aux cas qui ont précédé. Et le cas peut-être le plus intéressant qui a précédé, c'est le cas des Templiers. Et les Templiers, donc, sont... qui ont été les militaires, les soldats de Dieu pendant les croisades, ont chuté, c'est-à-dire qu'ils ont été mis au bûcher, l'ordre a été détruit au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on les a accusés d'un relâchement des mœurs, entre autres. On les a accusés de hérésie et de sodomie. Donc ils étaient sous l'influence des mahométans, comme on les appelle à l'époque. Et c'est donc le contact, on va dire, aujourd'hui on dirait colonial, qui a amené à une sorte de dépravation des mœurs, relâchement des mœurs, et à la chute d'un ordre glorieux. Donc, à partir de cette leçon historique, qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui quand il s'agit aujourd'hui au XIXe siècle, quand il s'agit du métissage, du contact, qu'est-ce qui se passe avec les maladies? Non seulement ils seront accusés, les Templiers, même au XIXe siècle, d'avoir importé la sodomie sur le sol français, qui bien sûr n'existait pas avant, mais aussi ils vont être accusés par certains, pas tous, mais très peu de médecins, mais quelques-uns quand même, qu'ils avaient importé la syphilis.